Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons aborder quelques séries particulières. Alors, nous en avons déjà vu une. C'est la série générale de termes 1 sur k, qui est une série qu'on rencontre très fréquemment quand on fait du calcul avec les séries. C'est d'ailleurs la série harmonique. Et on sait que cette série diverge. Voilà pour ce premier résultat. C'est une série particulière, c'est une série de références par rapport à différents critères que l'on considère après. Dans le sens où elle nous permet de déterminer la convergence ou la divergence d'autres séries existantes, puisqu'on va pouvoir comparer avec la série harmonique. Alors, on a d'autres séries qui existent, en particulier ce qu'on appelle la série géométrique. Alors, comme on sait qu'une série est la suite des sommes partielles liées à une suite donnée, on pense bien entendu à une suite géométrique. Une suite géométrique est une suite dont le premier terme est A, et dont la raison est R. Donc les termes de la suite sont A, A fois R carré, on multiplie à chaque fois par R, A, R cube, A, R à la puissance 4, etc. jusqu'à A fois R à la puissance K moins 1, par exemple ici, pour avoir S indice K. Et si on prend maintenant la somme de ces différents termes, alors on a la somme des termes de la suite géométrique. Donc, on a S indice N ici, ou S indice K, pardon, si je m'arrête à A indice K plus 1. Et ensuite, on va faire tendre K vers l'infini. Donc, prendre la limite pour N tendant vers plus l'infini de A plus AR plus AR carré plus AR cube, etc. plus A fois R à la puissance N moins 1, etc. Ce qui fait qu'on peut mettre A en évidence. On obtient limite pour n tendant vers plus l'infini de a fois 1 plus r carré plus et ainsi de suite. Et donc on se rappelle des résultats sur les suites géométriques. On sait que la somme d'une suite géométrique vaut le premier terme fois 1 moins r à la puissance n sur 1 moins r. À ce moment-là, on a les différents cas de figure. Soit r est strictement plus petit que 1 en valeur absolue. Et dans ce cas-là, la valeur de r puissance n va tendre vers 0. Et à ce moment-là, la série sera convergente et elle va converger vers a fois 1 sur 1 moins r ou a sur 1 moins r, c'est égal. Et par contre, si r est plus grand que 1 en valeur absolue, alors, cette expression-ci, r puissance n, va tendre vers l'infini. D'accord ? Si j'ai 2, ben 2 à la puissance n plus l'infini. Si j'ai moins 2, ben moins 2 à la puissance n, on va aussi, en valeur absolue, converger vers l'infini. Et donc, à ce moment-là, tout ça va tendre vers l'infini. Et donc, la série va diverger. Voilà pour la convergence ou divergence d'une série géométrique. Ça dépend de la valeur de la raison. Si la valeur de la raison est plus petite que 1 en valeur absolue, alors on a une convergence, sinon divergence. Prenons un exemple avec la série de termes 1 fois moins 1 demi à la puissance k moins 1. Donc série de premier terme 1 et de raison r est égale à moins 1 demi. Donc cette suite, cette série, c'est 1 moins 1 demi plus 1 quart moins 1 huitième plus 1 16e moins 1 32e, etc., etc. On voit la logique par rapport à tout ça. Eh bien, comme la raison est égale à moins 1 demi et que la raison est en valeur absolue plus petite que 1, alors la série converge et on peut donner la valeur de la convergence puisque c'est A. Donc 1 fois 1 sur 1 moins r, donc sur 1 moins moins 1 demi. Donc on a 1 fois 1 sur 1 plus 1 demi. Donc on a 1 sur 3 demi, c'est-à-dire 2 tiers. Donc cette série va converger vers la valeur 2 tiers. Autre exemple, la série de termes général 2 à la puissance k moins 1. Donc on est sur 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus 16 plus 32, etc. Suite dont le premier terme vaut 1 et dont la raison est égale à 2. La raison est en valeur absolue supérieure ou égale à 1, donc on a ici une divergence. Et effectivement, je vais me contenter de mettre diverge,
Effectivement, on a ici une somme qui va tendre vers l'infini. Exemple suivant, si je considère cette somme, 0,6 plus 0,06 plus 0,006 plus, je rajoute chaque fois un 0. Donc j'ai en fait ici une série géométrique dont le terme général est 6 fois 10 à la puissance moins k. Premier terme, 6 fois 10 à la puissance moins 1, 6 dixièmes, 0,6, 6 centièmes. Ensuite, 6 millièmes, 6 dix millièmes, 6 cent millièmes, 6 cent millionième, etc. Alors, c'est une suite, une série géométrique dont le premier terme est 0,6, a égale 0,6, et dont la raison r est égale à 1 dixième. Valeur absolue de r plus petit que 1, donc cette série va converger. Alors bien sûr, il n'y a pas tellement de suspense sur la somme de cette série, et ça nous paraît tout à fait normal qu'elle converge, puisque si je prends 0,6 et que je rajoute 0,06, je rajoute 0,006, puis 0,0006, etc. Ça modifie à chaque fois uniquement la décimale suivante. Donc on a une convergence vers 0,666, donc 0,6 périodique. Donc on s'attend à avoir 2 tiers. Vérifions-le avec la formule. On sait que cette suite va converger vers A fois 1 sur 1 moins R, c'est-à-dire 0,6 sur 1 moins 1 dixième. C'est-à-dire 6 dixièmes fois 1 sur 9 dixièmes. Donc 6 dixièmes, pour simplifier les 10 tout de suite, hein. Et il nous reste 6 neuvièmes. On simplifie, il nous reste bien 2 tiers qui est la valeur de convergence de cette série. Dernier exemple. Avec la série suivante, on a 1 tiers plus 1 sixième plus 1 douzième plus 1 vingt-quatrième, etc. Donc on constate qu'on multiplie à chaque fois par 1 demi. Donc on peut appeler cette suite, une série, pardon, série géométrique par son premier terme 1 tiers fois la raison 1 demi à la puissance k moins 1 pour avoir maintenant une raison r qui vaut une demi, qui est donc en valeur absolue plus petite que 1, et donc la série va converger, ce qui nous donne comme limite a fois 1 sur 1 moins r, c'est-à-dire a, premier terme, 1 tiers, fois 1 sur 1 moins la raison, 1 tiers sur 1 moins une demi, c'est-à-dire 1 tiers fois 1 divisé par une demi. On divise par une demi, on multiplie par l'inverse, on multiplie par 2, et donc 2 tiers comme résultat. C'est une série qui est également convergente. Circulière ensuite, c'est ce qu'on appelle une série, celle qu'on appelle une série de Riemann. Alors des séries de Riemann, il y en a plusieurs. On en a déjà vu une en fait avec sa convergence. Une série de Riemann est une série dont le terme général est de la forme 1 sur k puissance alpha, où k appartient à R et k est supérieur ou égal à 1. Alors, on a aussi le cas particulier avec alpha qui est égal à 1, et dans ce cas-là, on retrouve la série harmonique et on sait qu'elle est divergente. Avec alpha égale 2, on retrouve la série dont on avait parlé tout à l'heure, c'est-à-dire 1 sur k au carré, ou dans la vidéo précédente, et on sait que cette série est convergente, elle converge vers le nombre d'or. On a d'autres valeurs, si on prend 1 demi, si on prend moins 1, même, avec alpha est égal à moins 1, alors on a 1 sur 1 à la puissance moins 1, 1 sur 2 à la puissance moins 1, donc on aura 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus, etc. Et donc une série qui est divergente. Également avec 0, et ainsi de suite. Donc la convergence de cette série est donnée par la valeur de alpha. Si alpha est supérieur strictement à 1, alors la série de Riemann converge. Si alpha est inférieur ou égal à 1, alors la série, j'aurais pu reprendre le terme, je le fais ici, 1 sur k puissance alpha diverge. Voilà pour la convergence de la série de Riemann. C'est un petit peu plus compliqué à établir puisqu'il faut utiliser un critère qui est le critère de l'intégrale et donc comparer la série de Riemann à une intégrale de l'intégrale de 1 à n de 1 sur x à la puissance alpha dx.
Voilà, nous disposons maintenant de trois types de séries qui peuvent servir de séries de référence. La série de termes général 1 sur k, qui est la série harmonique, qui diverge. Puis la série de termes général a fois r à la puissance k moins 1, qui est la série géométrique. Elle diverge si r est supérieur ou égal à 1 en valeur absolue. Elle converge si r est strictement inférieur à 1 en valeur absolue. Et à ce moment-là, elle converge vers a sur 1 moins r, ou a fois 1 sur 1 moins r. Et enfin, nous disposons des séries de Riemann, dont la série harmonique est un cas particulier, 1 sur k à la puissance alpha, avec k qui est supérieur ou égal à 1. Et cette série, donc série de Riemann, et cette série diverge si alpha est inférieur ou égal à 1 et converge si alpha est strictement grand que 1. Dans le cas où alpha égale 1, on retrouve bien la série harmonique dont on a parlé ici. Voilà, merci pour votre attention, à bientôt.